moi je travaille pour la Fédération ADMR du Rhône. Donc ils ont répondu à un appel à projet de la CARSAT Rhône-Alpes pour mettre en place justement des ateliers d'initiation au numérique à destination au départ des plus de 70 ans. Je suis de formation psychologue et j'ai été beaucoup formatrice, notamment en bureautique. C'est vrai que c'est un public qui m'intéressait énormément. Et quand j'ai vu qu'ils recrutaient quelqu'un pour animer des ateliers avec les plus de 70 ans, pour les initier au numérique, ça m'a paru être un super projet. Donc j'ai postulé et j'ai été recrutée donc, voilà, il y a un an pour les animer. Et c'est une c'est un chouette projet, c'est une chouette aventure et ça se passe très bien. Voilà. Alors, on va sur Internet, on appuie sur Internet. Oui. Et après, on va sur Google. Ici, votre chaîne. Google. Donc là, je tape Mairie Chaponneau. Oui, Mairie de Chaponneau. On m'a dit après qu'on m'avait inscrit, et bon, c'est une personne que je ne pouvais pas refuser, donc ok. Après, elle le tirait Chaponneau. Que je me suis dit, moi j'ai ni enfant, rien du tout, ouais, je ne veux pas mourir idiote, alors le peu que je peux assimiler, ça peut toujours me rendre service, ne serait-ce que pour envoyer un mail et faire des photos, quoi. Ouais, vraiment en arrière, vous êtes... Et l'idée, c'est justement d'avoir une pédagogie où on répète beaucoup, beaucoup de patience. Ils ont également des supports pédagogiques écrits, puisque tout retenir, ça paraît un peu compliqué pour la plupart. Du coup, ils ont des supports écrits où ils peuvent revenir, sinon pas tout retenu ou tout assimilé durant les ateliers. C'est vraiment bien expliqué. Elle nous donne les feuilles, là, et on n'a qu'à relire. Et on revient sur notre tablette, automatique. Beaucoup de jeunes en parlent, s'en servent. Et nous, les vieux, on avait dit, nous sommes à la retraite, nous faisons du jardin, et tout ce qui est informatique, on laisse tomber. Alors à Chaponneau, on a eu de la chance, c'est qu'il y a un cours d'informatique, ordinateur, et ils ont ouvert ce cours de tablette. Voilà ce qui m'a incité à venir voir. Alors, ensuite, photo, vidéo. Vous choisissez quel album photo? J'ai album de démo, appareil photo, fond d'écran, pièce jointe, tutoriel. Eh bien, appareil de photo, très bien. Parce que je n'y connaissais absolument rien. Et donc, nous avons un professeur qui est extrêmement doué et sympathique. Et comme ça, je n'ai plus besoin de demander aux membres de ma famille, quand ils veulent bien me répondre, pour pouvoir me servir de ma tablette toute seule comme une grande fille. Quand vous êtes sur l'accueil du site internet de la commune de Chaponneau, vous allez aller tout en bas et vous allez voir. Donc vous faites remonter votre écran. Je récapitule, YouTube c'est un site de vidéo de musique, mais aussi vidéo d'information. Et du coup, là on est sur une sous-partie de YouTube qui est consacrée uniquement à Chaponneau. Et ils ont appelé ça Chaponneau TV. C'est marqué en dessous toutes les vidéos. Oui. Vas-y. Quand on sait faire, c'est facile, mais quand on ne sait pas faire, ben, c'est sûr que c'est un peu des Chinois. Je trouvais que c'était quand même primordial de savoir utiliser une tablette, quoi, hein, pour ne pas être en retard. J'ai tout de suite dit oui. On essaie de faire ça le plus convivial possible, mais c'est le cas, pour qu'ils se sentent en confiance, qu'ils se sentent prêts à toucher l'outil tablette sans avoir trop de réticence. Et au fur et à mesure, important, ils gardent la tablette entre les séances, donc ils sont confrontés chez eux aux difficultés eux-mêmes tout seuls devant la tablette. Et après, on a quand même 15 séances, mais la plupart avancent très bien dans le programme. Il n'y a pas de grosses répétitions. Petit à petit, ils se rendent compte que la tablette ne mord pas et que ça leur donne accès à plein de choses. Et ben, mes élèves, ils sont très courageux et surtout, ils se débrouillent très, très bien. Le plus jeune a 60 ans, la dame qui a participé, la plus ancienne, a 92 ans.
Je dis elle avait parce qu'elle a terminé le groupe et ils s'en sortent très bien et souvent ils sont vraiment bluffants. Ils arrivent très rapidement, la plupart les emails, internet, ça pose aucun souci, les photos non plus. Après dès qu'on va un peu en profondeur, bon c'est là où il y en a qui ont plus de difficultés. Mais la plupart ils sont très motivés, ils ont envie. Ils trouvent ce qui leur plaît. Souvent, ça peut être les photos avec les petits-enfants. Souvent, ça peut être les recherches sur Internet sur un sujet donné. Les messages, les emails, énormément. Mais ils s'en sortent très, très bien.